Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport Dom Gaye Ndiaye Warul Tir Warul Ragal Cheikh Kouyaté, l'ancien capitaine des Lions du Sénégal. Amoul Lumi Seral mu ngi def saison bu djégi d'ailleurs avec son club Crystal Palace en première, mais il a accordé une interview, un large entretien avec The Guardian, donc un média anglais. Donc Kouyaté l'a commencé, on n'aime pas ça. Beaucoup nous lit, dit Cheikh Kouyaté en donc fronçant le sourcil, parce que Cheikh Kouyaté, vraiment, il était en rogne, dafa mer, parce que néna, les dirigeants n'écoutent pas les footballeurs. Dirigeants et les footballeurs, dans quel sujet, à quel propos? C'est par rapport à l'organisation de la CAN. CAN bi yobou en janvier, néna, vraiment, c'est pas normal. Parce que néna, joueurs yi ñoo ci gëna souffrir. Parce que imaginez, si vous jouez pour un club en Europe et que vous deviez soudainement partir au milieu de la saison et laisser tomber votre équipe, néna, ça c'est pas normal. Mais il devait penser d'abord à l'avenir des joueurs. Bon, on est libre pour cela privé de ses meilleurs joueurs. Sadio Mané, Salah, Naby Keita. Qui sa place aussi, il n'y a que le meilleur joueur. Jeffrey Choulouk, Ghanéen. Wifi Zaha, Ivoirien. Jordan Ayew, Ghanéen. Cheikh Kouyaté, Sénégalais. Donc ça nuit au football africain. Donc, il y a vraiment dirigeants qui ont pensé aux footballeurs avant de prendre une telle décision. Mais Kouyaté, tu le sais bien. Donc la CAF a courbé les chines face à la FIFA. Parce que du monde des clubs, c'est en juin-juillet 2021. Et la FIFA est beaucoup plus forte. Donc la CAF de Ognoy, nous amène à Amad. Parce qu'ils n'osent pas repousser la compétition. Par exemple, l'Euro. L'Euro pour 2021, donc jamais. Mais comme Afrique de Ognoy, nous avons tout le après les Jeux Olympiques, tant de joueurs ont obtenu des contrats avec de grands clubs. Cela a ouvert les portes en temps. Donc, à temps de génération. Après l'Olympique, en 2012, j'ai eu un club. C'est ce qui a lancé cette carrière. Vraiment, au Sénégal, il y a un grand jour. Donc, vraiment, rien à dire. Cheikh Kouyaté a remporté 4 titres de champion avec Anderlecht et étroitement donc, allié à Arsenal avant de rejoindre West Ham. Donc, il a gagné 4 trophées, 4 titres de champion de Belgique avec Anderlecht. Donc, Cheikh Kouyaté, quand même, il a un palmarès bien fourni. Vraiment. Mais aussi, on est préparé sa retraite. Vraiment, en 2018, les Eagles de Crystal Palace ont dépensé un peu plus de 10 millions d'euros pour s'offrir Cheikh Kouyaté. Donc Kouyaté, vraiment, c'est pas donc, un petit joueur. Et c'est le très haut niveau. La défaite du Sénégal en finale de Coupe d'Afrique des Nations a été un très mauvais mois. Vraiment, mettons Noko. Donc, défaite Bobo, mettez Noko trop. Et vraiment, quand 2021, Mouignan, Sénégal, Djel, Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vraiment, néna, une fois sa carrière terminé, on a un projet pour créer une académie de jeunes, comme Gading Karefe, avec Djambar, Génération Foot, créer une académie. Parce que Grandao Mouki lancé, Mouki veut créer une académie, donc pour permettre aux jeunes footballeurs de nourrir leurs rêves et de devenir des footballeurs professionnels. Donc Cheikh Kouyaté, il a caressé de fond en comble l'actualité du football actuellement. Donc il a parlé de la CAN, mais aussi des racines, oui, ça doit cesser. Des racines, il doit faire guerre du football, parce que nous sommes des personnes et nous sommes tous égaux. Donc, on am xarma yalla kuma am nday kuma amul nday racisme bi dafa wara jeex. Donc voici un large résumé donc de l'interview accordée par Cheikh Kouyaté au journal The Guardian, interview visitée et commentée par Grégoire Omnisport. Cheikh Kouyaté.